J'ai perdu mon pompe. Il est où mon pompe? J'ai plus mon pompe. Là, c'est la sauce. Coucou. Ah bah oui, bah tiens, j'allais te le dire. Oh, bah regardez, y'a Waz qui se balade. Il a le niveau d'une poule. Faune sauvage tuée. En fait, je viens de tuer Waz, mais c'est parfait ça. Je veux une tente. Allez, le jeu, c'est plus drôle maintenant, s'il te plaît. On a bien rigolé. Voilà, c'était marrant. Il m'en faut une. Je dois ranger mon arme. Je vais essayer de le jouer hyper intelligemment parce que. Vas-y, faut le réussir ce défi. Let's go! Ok yo, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de faire un défi qui est très spécial. En fait, je vous explique, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est la dernière soirée avant que le mode MM Fortnite sans build soit enlevé. Bon, là on le voit pas parce que forcément il est juste noté solo, mais c'est la dernière soirée où il n'y a plus les builds. Je me suis dit, Zet, tu vas faire quelque chose. Pour cette dernière soirée, tu vas essayer de rassembler les 3 items mythiques dans ton stuff. Les 3 items mythiques sont le pistolet mitrailleur, la hog, et enfin pour terminer, l'air thermique. Je sais pas si je vais réussir à tous les avoir en même temps dans mon stuff parce que c'est presque impossible. Genre, admettons, il y a un gros Bambi qui est la PM et qui au final meurt dans la tempête, et bah je pourrais jamais récupérer cette PM de la game. Mon objectif, ça va être déjà d'en rassembler deux, ça serait très bien. Et bah écoutez, je pense qu'on va y aller. Juste avant, n'hésite pas à mettre le code ZFAR, c'est ZETFAR. Et vous savez quoi, pour cette vidéo défi, je vous propose l'objectif des 20 000 likes. Et puis sur ce, on est parti. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, je pense que des petites vidéos solo comme ça de temps en temps, ça sera plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt pas mal. Ça nous permettra de parler de plein de petites choses, notamment des projets qui arrivent sur la chaîne, les vidéos, etc. Enfin voilà, on va essayer de voir pas mal de choses. Alors, premièrement, je vais aller au niveau de l'état-major parce qu'il me semble que c'est là-bas que spawn la PM ou le PM, c'est un pistolet mitrailleur. Donc je vais aller là-bas et puis juste après, j'essaierai de trouver l'air thermique et du coup la hog. Et la hog, je suppose qu'elle est. Ah, j'en ai aucune idée. Ah, si, elle a la forteresse. On va essayer de faire état-major et forteresse pour trouver les deux. Puis comme je vous disais, je sais que beaucoup me disent Zet, on aime bien les vidéos avec Waz et tout, c'est marrant. Mais je pense que c'est important aussi que sur ma chaîne, je fasse pas que des vidéos avec Waz. Sinon, ma chaîne, autant la renommer ZFAR X Waz. Ça me paraît logique. Hop, j'ai un pompe, c'est parfait. Oh bah, tous les bots, ils sont partis en vacances ou quoi? Il y en a plus aucun. Ah, hog bleu, c'est pas mal ça pour commencer. Ah oui, donc ce que je voulais vous dire de très important, c'est que vous le savez peut-être, enfin, vous le savez forcément, vous êtes bientôt en vacances scolaires, enfin pour la plupart d'entre vous. Et à partir de ces vacances, on passera sur un rythme d'au moins 3 vidéos par semaine plutôt que 2. Je vous rassure, ce sera pas des vidéos bâclées, elles seront tout autant travaillées. Mais c'est parce que j'ai plein de petits concepts fun, mais que je peux pas faire parce que je suis limité à seulement 2 vidéos par semaine. Donc voilà. Alors, où est le bot? Il est ici, il va nous donner du coup la PM mythique, je crois. Ah ouais, il y a un mec, donc je peux pas le tuer tout de suite. Va falloir que j'attende. Ah bon bah il est énervé. Oh, oh, depuis quand il lance des grenades lui? Ah mais en fait il a pas beaucoup de vie, ça va. Aïe, je croyais qu'il était comme The Rock. Surprise, motherfucker. Oh, regardez-le lui. Oh. Voilà, tiens, ça t'apprendra gros rat à vouloir me ramasser. Et lui, il me donne du coup la PM mythique qui est la première arme à avoir dans ce défi, donc c'est nice. Très bien. Je vais prendre la carte et puis je vais aller faire le coffre. Et je vous propose qu'on fonce directement au deuxième lieu pour trouver, cette fois-ci je crois que c'est la hog mythique. Alors par contre, j'ai jamais été, je sais même pas c'est qui le bot. Juste, je sais que les abonnés en live m'ont dit, il faut que t'ailles là pour avoir la hog, mais je sais pas qui c'est. En tout cas, il y a un tank, je le prendrai après. Faut vite que je les tue eux avant qu'ils m'embêtent. Salut, c'est Julien. Oh, elle est là, elle est là, elle est là. Ah bah y'en a pas qu'une. Elles ont des hogs giga cheatés en fait. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vas-y, je me taille. Du coup, ça y est, il en manque plus qu'une. C'est l'air thermique. Et on aura toutes les armes mythiques du jeu. Par contre, si on arrive à toutes les avoir, c'est génial. Et surtout du premier coup. Alors, par contre, la dernière, j'ai aucune idée de où la trouver. Donc, vous savez quoi? Je vais faire appel à la communauté Twitter. C'est les boss. À chaque fois, ils sont super actifs pour me dire où se trouve l'air thermique. Oh, mais attendez, j'ai une idée. Bon, c'est pas comme si j'avais inventé l'eau chaude, mais je vais mettre mes armes dans une tente. Comme ça, la prochaine game, quoi qu'il se passe, et bah, je les aurai. Ça me semble être une bonne idée. Oh non. Ils viennent de me dire qu'apparemment, on peut la trouver seulement à l'état-major. Bon, et bah écoutez, je vous annonce que cette game on pourra pas la terminer avec les 3 armes mythiques. Faut que je trouve une tente, comme ça je pourrai ranger mes armes et bah avoir les 3 pour la prochaine game. On va finir ça là tranquillement. Oh, bah parfait, voilà. Chose faite, chose demandée. Enfin, plutôt chose demandée, chose faite. À chaque fois j'ai un problème, j'inverse les mots. Oh, bah regardez, y'a Waz qui se balade. Il a le niveau d'une poule. Mais en fait, c'est lui, je crois, attendez. Ah ouais, faune sauvage tuée. En fait, je viens de tuer Waz. Mais c'est parfait ça. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, non, que. Y'a un tank. Je sais pas vous, j'ai la phobie des tanks. Mais en même temps, vu que c'est ma phobie, je vais aller le fight. Oh, oh. Par contre, il a combien de vie son tank? Ah, comment il fuit. Voilà. Oh. Par contre, moi je suis trop nul hein, j'arrive. Let's go, chute fatale de 102 mètres, mais il est trop bête aussi. Par contre, si je mettais phénoscope, no joke, je finissais pas la vidéo et je désinstallais le jeu. Coucou. Hein? Il fait quoi lui? Bon bah un petit kill donné, ça fait plaisir. Je sais pas s'il a crash ou si jamais il est parti manger, mais en tout cas il était pas là. Oh là, il y a quelqu'un.
Oh my god, si je mourais, tu te là-dessus. C'est quoi ce giga Bambi? J'espère qu'en tout cas vous avez profité à fond de ce mode de jeu sans build, parce que bah il est pas prévu de revenir, et surtout ça permettait de monter son KD hyper fort, hyper fortement plutôt. Oh, il y a encore un tank. Bon bah du coup je vais devoir me le farcir. Voilà, je sais même pas comment j'ai fait, mais je l'ai mis en feu. Voilà, gros Bambi, Enzo Stark. On va finir de casser le tank. Je comprends pas pourquoi il a autant de vie. Ah, c'est bon, je l'ai détruit. Hop, j'en profite pour afficher les derniers abonnés de la chaîne. Si tu veux passer dans la prochaine vidéo, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge, donc de cliquer sur s'abonner. Et sur ce, je te laisse avec la suite. Mais c'est génial, c'est que des maxi Bambi. Nice, c'est un 1v1. Bon, et bah écoutez, du coup, je vais ranger mes armes dans la tente. Enfin, je vais mettre le mec low. Je vais ranger mes armes et je vais le finir aux pompes. Puisque le pompe, bah, j'ai pas le stack. Enfin, le stock plutôt. Non, vous savez quoi, je vais faire mieux encore. Je vais sèche mes armes tout de suite. Voilà. Ensuite, maintenant, la tente, on la prend avec nous. J'ai perdu mon pompe. Il est où mon pompe? J'ai plus mon pompe. Là, c'est la sauce. Je vais aller sur le stuff de celui que j'ai tué. Espérons qu'il soit encore là. Voilà. Il est où là? Il doit se cacher quelque part, mais j'en ai aucune idée de où. Il est dans le bush. Il joue à quoi? Let's go! Le top 1! Nice! Et du coup, c'est mon combienième top 1 couronné? C'est le numéro 14 déjà, ça fait plaisir. On est donc parti pour la deuxième game. Comme vous le savez, dans la tente, j'ai déjà la hog et le PM. On va du coup essayer de trouver l'air thermique. J'espère qu'elle sera dans le zaplin qui est ici. Du coup, l'objectif, dans un premier temps, ça va être d'avoir des armes, de faire les kills, de prendre l'arme thermique et ensuite de retrouver une tente pour avoir tous les items et faire top 1 avec tous les items mythiques. Par contre, vraiment, je crois que je serai imbattable. Ah, c'est lui! C'est lui, c'est lui, c'est lui! Oh! Oh. Ah mais il est énervé. Eh, j'ai juré d'un meilleur niveau quoi. Aïe. C'est bon, je l'ai eu. Nice, on a toutes les armes. Let's go. Parfait, je vais essayer de trouver une tente. Et puis bah, on va sortir toutes les armes mythiques du jeu et faire top 1 avec. Ça c'est un défi que je vous invite aussi à reproduire chez vous. En vrai c'est plutôt fun, et surtout vous allez être invincible. Donc bah tentez-le. Ah mais attendez, du coup est-ce que je peux avoir deux fois la... Bah oui, je peux avoir deux fois la PM mythique. Mais je vais être trop fort. Je vous présente du coup la deuxième arme mythique. C'est dingue, mon stuff va être fou. Allez, objectif, trouver une tente. Allez, juste une tente, s'il te plaît. On fait sursauter celui-là. Bon bah écoutez, il n'y a pas de tente ici du côté de Shifty Shaft. Je vais aller dans les montagnes en espérant trouver une, parce qu'il reste déjà plus que 24 joueurs. Et je vous propose qu'à la game d'après, je spawn et j'essaie même pas de trouver des armes. J'essaie de trouver une tente tout de suite, comme ça j'aurai les 3 armes mythiques dès le début de la game. Et je vais essayer, pourquoi pas, de faire un record de kill, ça serait plutôt pas mal. One eternity later. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous fait ça. Genre, vous cherchez un item, évidemment vous le trouvez pas, alors qu'en temps normal, l'item vous l'avez au spawn et vous avez pas d'armes. Allez, s'il te plaît, le jeu. Vas-y, par contre, vraiment, notre rôle, je vais serrer. Mais ils ont désactivé les tentes entre ma game et celle d'avant ou quoi? Hello there. Toi, je t'avais entendu. Ah, il m'a fait mal. Je veux une tente. Allez, le jeu, c'est plus drôle maintenant, s'il te plaît. On a bien rigolé. Voilà, c'était marrant. Il m'en faut une. Je dois ranger mon arme. J'aurais littéralement fait tout le tour de la map pour ne pas trouver de tente. Oh, toi, le sanglier commence même pas. Allez, dernier espoir dans ce bâtiment. Dommage, et bah écoutez, je n'ai pas trouvé une seule tente de la game, je sais pas c'est quoi cette chance. Donc si j'en trouve pas avant la fin de la game, avant de faire top 1, ça veut dire que je devrais retrouver une tente pour retrouver mes armes mythiques. À moins que je puisse en trouver une sur un ennemi, ça serait une possibilité aussi. Allez, les ennemis, vous êtes où là? Oh, mais attendez, mais en fait toute la zone est dans l'eau. Il y a que mon côté ici qui est pas dans l'eau, donc en fait bah, je suis presque sûr d'avoir win la game là. À moins qu'il y en ait un à droite. I'm fast as fuck, boy. Il va où? Il est bête, il va exploser. Oh, et l'autre vient de mourir. Let's go, 1v1. Est-ce qu'il avait pas une tente? Non, il avait pas de tente. Bon, bah, on va le terminer. Let's go. Bon, et bah écoutez, du coup, c'est un deuxième top 1, mais je suis pas satisfait, donc on va relancer une game. C'est parti. On est donc parti pour cette troisième game. J'espère vraiment que je vais pas passer ma game à chercher des tentes, parce que je vous cache pas que ça m'a tendu un petit peu. Vous, de votre côté, ça a peut-être duré 2 minutes, mais n'oubliez pas que de mon côté, une game de Fortnite, c'est au moins 20 minutes, voire 25 si jamais il y a des moving zones. Coucou. Ah bah oui, bah tiens, j'allais te le dire. Faut que mon bonhomme il se claque la tête et qu'il tombe pile sur le bonhomme. Oh hi Mark. Je veux pas te fight tout de suite toi. Ouais bah toi encore moins.
Non mais c'est dingue ma chance, je vous jure ma chance dans ce jeu elle est inexistante. Oh y'a une tente, y'a une tente là, on retient parce que je crois que les ennemis du coup ils vont pas le prendre. Je sais pas où je vais mais y'a trop de monde, waouh on est 1 million. On retient qu'il y avait une tente là-haut. Moi je vais aller là, allez hop. Oh non, allez Choba, j'existe pas. La tente a été prise. La tente a été prise. Alors toi mon gars. Voilà, c'était pas lui qui avait la tente. J'ai plus de balles. Oh le combat de Bambi. C'est un spawn de cinglé, je viens plus jamais de ma vie ici. C'est bon, je suis tranquille là. Nope. Je suis pas tranquille. Vas-y, mais il me fait lui. Allez, tiens. Il faut que je tue le mec qui avait la tente. J'ai pas le choix. Ou même, faut que j'aille au bot en fait. Ah voilà, c'est encore moi qui vais devoir me taper le bot. En plus, bien sûr, full live. Ah bah, il est bloqué. Faut que j'en profite, il est bloqué. Nice. Oh non, elle est tombée. Allez, ciao bye. Oh non, il arrive. Non mais quel taré! I am your M8, teleport. Mais c'est pas possible, vous êtes témoin, je vous jure, vous êtes témoin du monde qui a des tarés, des bots et tout, c'est n'importe quoi ce spawn. Bon, il faut que je fasse un dernier essai parce que j'ai pas le choix, je dois avoir les 3 armes mythiques dans mon inventaire, c'est l'objectif. On est reparti. Allez, on focus toujours la tente, même si jamais vous le savez, il faut quand même qu'on ait l'arme mythique thermique, parce qu'elle est pas stockée dans la tente. Je mourrai pas de sitôt. Il y a une tente là, il y a des tentes. Let's go. Allez, c'est ma game. Non. Me demandez pas ce que je fais, mais moi je sais pas. Ok, il y a un mec qui a énervé le bot. Je vais laisser ce fight avec lui, moi je m'en fiche. Je vais aller le ramasser à la toute fin. C'est un bot ça? Bah je crois que c'est pas un bot, c'est le bot. J'ai peur de me faire ramasser. Allez, il a un HP. Let's go, c'est bon, je l'ai. Let's go! Bon, et bah écoutez, l'objectif maintenant ça va être d'aller chercher la tente et d'avoir les 3 armes mythiques en même temps dans le stuff. Franchement, ça a été chaud. Mais en vrai, je vais pas parler parce que c'est pas encore fait. Et on y va. S'approprier la tente. Regardez. Hop. Toi, je te prends. Et toi, je te prends. Et la tente, du coup, je vais la stocker. Voilà. C'est bon, on a toutes les armes. Let's go! Et bah écoutez, je pense que c'est un défi réussi. J'ai réussi à avoir les 3 armes mythiques en même temps dans mon stuff. Et par contre, là, je pense vraiment que je suis imbattable en fait. On va du coup faire top 1 et rush tout le monde. Limite, la tente, je m'en fiche. Je vais pas la prendre. Je vais juste prendre un fusil à pompe à la place. Hop. Parce que de toute manière, je referai pas de décès après. Vu que j'aurais perdu les armes. A few moments later. Hop, on a l'impression qu'on est dans la vidéo record où est-ce qu'on essaie de faire la plus longue glissade. Le record est détenu du coup par moi à 253 mètres. J'ai vu personne faire plus. Après évidemment, si vous avez vu des gens faire plus, n'hésitez pas à m'arroba sur Twitter ou Instagram pour me donner leur record que j'essaierai de rebattre derrière du coup. What? Pourquoi j'ai ça? What? Pourquoi je vois tout flou? Ah c'est bon, c'est parti. Ah, il y a un mec au-dessus, je l'entends courir. Ouais, je suis invincible avec cette PM en plus, c'est trop fort. Oui, il y a la zone. Attendez, c'est la sauce. Non, en vrai, ça va, elle va pas vite. Je peux limite risquer de faire ça pour avoir une grosse pote. Et malheureusement, j'ai rien eu. Putain, je suis trop bête, j'aurais dû faire gaffe à la zone plus tôt. Là, je suis tellement une cible facile. Oh, let's go. Ah, je suis une cible, ça par contre, c'est pas fou. Là, c'est pour tous ceux qui sont hyper maniaques dans les commentaires. Je me remonte à... Regardez, si jamais je reste à 199 HP, le fait qu'il me manque un HP de barre blanche, je suis sûr que ça va vous stresser. Enfin, en tout cas pour ceux qui sont maniaques. Vous pouvez me remercier. Par contre, no joke, je vous assure que c'est la première fois de toute ma vie sur Fortnite que j'ai 3 armes mythiques en même temps dans mon stuff. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ça. Mais comment ça se fait, y a personne? Mais comment ça se fait, y a personne, là? Non, par contre, nos trolls, ils sont où? Bon, je vais prendre ça, je vais aller en zone. Ouais, il a l'air énervé. J'ai l'impression que les 8 joueurs qui restent, ils sont pas mauvais. Et j'ai beau avoir des bonnes armes, si jamais j'ai pas l'avantage de la position, c'est compliqué de les tuer. Voilà, ça va te faire des guerres pires ça mon ami, je te le dis. Voilà, je te l'avais dit Robin. Les armes mythiques, elles sont beaucoup trop fortes par contre. Écoutez, je crois que j'ai dû faire peut-être une 40aine de games de ce mode de jeu. Et je crois que celle-là, c'est la plus tendue que j'ai jamais joué. Parce qu'en fait, on a encore 5, mais les 5, ils jouent hyper bien leur position. Ils veulent pas me laisser passer. Là, je suis obligé d'avancer. Je suis sûr qu'il y a un mec caché dans ce bâtiment. Ouais, je viens de l'entendre, il est au-dessus. Let's go! En plus, il avait une couronne. Nice! Oh non, pas comme ça.
Let's go. Les derniers sont en train de se fight, faut que j'aille. C'est bon, c'est un 1v1. Vais-je réussir à faire le premier top 1 avec toutes les armes mythiques de Fortnite? Je sais pas où il est caché. Je vais essayer de le jouer hyper intelligemment parce que... Vas-y, faut le réussir ce défi. Il est low, il est low, il est low, faut que j'y aille vite. Let's go! Hop là! Merde, y'a pas une tente quelque part, comme ça je pourrais avoir les armes plus tard. Ah, j'y ai pas pensé à ça. Bon bah c'est pas grave, et bah écoutez, c'est un petit top 1. Voilà, avec toutes les armes mythiques. Comme d'habitude, je vous invite à refaire le défi chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez réussi et en combien de temps. De mon côté, j'ai mis plus de 1h15 à le faire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et sur ce, on se dit à bientôt. Salut! Sometimes.